Nous allons partir faire la quête de l'engagé volontaire, alors qu'il vagabonde et aux abords ensoleillés mais ravagés par la guerre d'Oxenfurt, Louis Finn de Geralt perçut un son très étrange, quelque chose entre la fausse note et le beuglement de porc en détresse. Fidèle à sa profession, le sorceleur décida d'élucider ce mystère. J'imagine qu'il va falloir partir vers Oxenfurt, oui, bien entendu. Hop. Partons par là. Et voyons donc ce que ça donne. Ah, j'aurais pu prendre un bateau de l'autre côté. C'est pas grave. Il pleut déjà, mon gars. D'après ma définition de pleuvoir, il pleut. Mais c'est du petit noyeur, ça. Oh, c'est du gros noyeur, niveau 9. Ouais, moi, je reviens dans ses griffes. Comme si de rien n'était... De l'aconite. Quoi d'autre? De la mousse. Il y a pas beaucoup ça de la mousse, je pense. Oh, il y a un point de TP ici, trop bien. Appelle comment le point de TP? Campement du troll? Fort de l'aigle blanc. Incroyable. Inspectez la zone. Attendez. Inspectez la zone, il y a un troll devant moi quoi. Je vais inspecter le troll, hein, je pense. On va déjà lui parler. On va voir ce que ça donne derrière. Cher. Oh, un schéma! Énorme. Humain. Salut. Tant d'armées de Redania ici. Pas passé, pas volé bateau. L'armée de Redania. Elle est cachée dans tes poches. Ici que troll. Humain pas voir. Troll, soldat de roi Ravodid. Ordre garder les bateaux. Ils sont dans un sale état, tes bateaux. Troll. Gardez les bateaux. Mais pas de bois pour faire clôture. Sauf bois-bateau. Alors, troll, faire clôture avec bateau. Comme ça, bateau, gardez bateau. Bien joué, mec. C'est le meilleur qu'est-ce plan. Qu'est-ce que tu fais dans l'armée? On t'a recruté? Hein? Ah, soldat humain venir. Chef dire surveiller bateau. Paysan volé bateau, paysan. Troll. Pas bien comprendre. Moi, je comprends. Les Redaniens ont volé les bateaux des paysans et ils ont eu peur que les paysans les reprennent. Et ensuite? Chef partir. Soldat boire. Et chanter. Chanter beaucoup. Troll écouter. Après, paysan venir avec bateau pointu. Troll vouloir aider armée. Courir. Crier paysan, crier soldat. Pousser doucement, mais tous tomber, soldats aussi. Mais ordre garder bateau. Surveiller. Troll soldat maintenant. Troll chanter aussi. Humain écouter. Non, merci. Je t'ai entendu tout à l'heure. Dis-moi, où sont les corps? Je n'en vois aucun. Troll fin. Pas jeté, non. Paysan bon. Ami soldat moins bon. Mais ragoût toujours bon. C'est
Si c'était un mec, j'aurais été en mode t'es dégueulasse, mon gars. Mais c'est un troll, il bouffe des humains, bien sûr qu'il bouffe des humains. Et s'il a bouffé que des humains qui sont déjà morts. Au moins, il n'y aura pas de ghoul, quoi. Je comprends. À la guerre comme à la guerre. Tant qu'il n'y a pas de contrat sur sa tête, hein. Humain, soldat aussi. Non. Troll fer humain soldat. Troll chef. Dire trouver peinture. Humain donner peinture. De la peinture? Comment ça? Peinture. Peinture. Rouge peinture. Blanc peinture. Peinture d'Anvil. Mais troll pas bouger. Troll garder bateau. D'accord. D'accord, je vais essayer de trouver de la peinture. Humain gentil. Armée Redania pas oubliée. Il est incroyable. Trouver de la peinture, c'est par où? Allez, c'est directement en ville. Ah oui, mais je suis bête, j'ai un point de TP ici. Incroyable ce troll. C'est terrible parce qu'il a un côté sympathique, mais s'il tombe sur une troupe redanienne, la troupe redanienne va essayer de le buter, quoi, hein, 1000 contre 1. Mon pauvre petit troll. C'est vrai qu'il y a des coiffeurs ici. Tous les impurs mourront dans les flammes du feu éternel. Je veux blanc. Petit coup d'œil sur mes marchandises. C'est lui ou c'est le mec d'à côté? C'est le mec d'à côté, c'est lui. Suivez votre instinct, achetez. J'aimerais bien t'acheter des trucs, mais... Ah non, c'est lui. Où vous faut-il? Si je ne l'ai pas en stock, dites-moi tout et je l'aurai demain. Apparemment, il a de la peinture. Ce qui pourrait m'intéresser. Apparemment, mon gars... J'ai même pas regardé le prix. C'est pour un ami. Adieu. Je n'ai même pas regardé le prix. Par où le... Oh, c'est bien par là. Allez, hop, on va là. Jean-Luc. J'ai ta peinture, mon gars. Soldat Caillou. Il est incroyable. Tiens, mon gars. La chance, j'ai justement de la peinture sur moi. Oh. 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 Il y a un problème? Peinture, bien. Mais... Troll, pas savoir. Qu'est-ce que tu veux faire, mon gars? On peut t'aider. Oui, en effet, c'est un problème. Humain savoir-faire. Troll ordre. Humain dire. C'est possible, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Oiseau couleur. Oiseau Redania. Oiseau. Comme bouclier. Oh. Je peux bien essayer, oui. As-tu un pinceau? Oiseau beau. Joli. Joli. Non. Bon, si ça te plaît, tant mieux. Humain. Surtout s'il reste ici tout le temps. Autre humain méchant. Troll, merci. Contre Nilgarde. Contre l'ennemi. Partout où le devoir fait signe. De Tristogor. Peut-être qu'il mange des gens de ma race, mais. Bah c'est Jean-Luc, quoi. Il est trop bien. Il est incroyable. Ok, on a fait l'engagé volontaire. Il est impressionnant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Presque à 10 minutes. Donc on va voir si c'est quelque chose que je peux choper facilement ou pas.
À proximité du groupe d'armée centre du camp du groupe d'armée centre Nilfgaardien. Discuter avec la femme assise sous une tente pour recevoir une nouvelle quête. Allez. Ah, les. C'était où? C'était. On va vers le bas. Ouais. Ici. J'ai déjà été dans cette zone, mais j'avais pas vu d'autres points d'exclamation. Alors, c'est par où? Je le vois déjà sur la carte. Non. J'ai l'impression que c'est par ici. C'est dans la. Dans le petit tournant, ça expliquerait que je sois pas tombé dessus. Et donc une vieille femme assise sous une tente. T'es vu, Avizima. Ah, voilà, c'est. J'ai l'impression qu'il faut qu'on soit suffisamment proche pour que leur dialogue se lance. Il faut que le dialogue se lance pour que le point d'exclamation apparaisse, parce que ça veut dire que Gérald l'a entendu. Yo! On va faire cette quête-là dans cet épisode aussi. Parce qu'on vient de loin. Il servait dans la brigade Nazaire. Je dois le retrouver. Il le faut. Je n'appartiens pas à votre armée. Tant mieux. Notre armée me refuse son concours. C'est pourtant d'aide dont j'ai besoin. Si nécessaire, j'irai jusqu'à demander celle d'un troll. Alors j'en connais un, il est super je sais sympa. Pas comment je dois prendre ça, madame. Ces frères d'armes ne vous ont rien dit? Certains refusent de parler. D'autres mentent. Cet intendant, par exemple. Selon lui, mon fils, Rodbert, aurait quitté le campement pour partir en éclaireur. Sans jamais revenir. Ce qui est possible. Pourquoi est-ce improbable? Mon fils servait dans la brigade Nazaire. Ce ne sont pas des éclaireurs. Ah. Il me faut quelqu'un qui m'aide à retrouver Rodbert. Ou son corps. L'or n'est pas un problème. Ouais, si l'or n'est pas le problème. À quoi ressemble votre fils? On peut s'arranger. Il est reconnaissable entre tous. Dans toute l'armée impériale, je doute qu'un autre soldat ait sa chevelure. Couleur de feu. Un Nilfgaardien roux. Son père était originaire de Maktourga. Là-bas, les gens ont la peau claire. Mon fils a hérité de ce trait. Et de bien d'autres, de mon époux. Puis-je compter sur votre aide? Je ferai mon possible. Vous n'aurez pas à le regretter. Il n'est rien que je ne ferai pour Rodbert. Souvenez-vous-en. Je vais tâcher de me renseigner. Mon serviteur a tenté la même chose. Il a bu avec les soldats au mess, sans croiser personne de l'escadron de mon fils. Comme s'il avait cessé d'exister. Allez vous entretenir avec l'intendant. Il s'est défilé avec moi, mais risque de se montrer plus ouvert avec vous. Je le sens. Une mère sent ces choses-là. Eh bien, nous verrons. Ça sent beaucoup de choses, une mère, ouais. Pareil. Je le sais parce que je suis maman. Non. C'est parce que tu as de la jugeote. Ne t'enlève pas ça. Allure. Monsieur l'intendant, tu as déjà bossé pour lui, on s'entend bien, c'est bon. Devenu les meilleurs amis du monde. Ou bien se filer quelques petites infos, quoi. Hein? Des infos? Ah, j'ai pas regardé le niveau de la quête par contre. Niveau 12. Parce que même les quêtes secondaires, apparemment, faut que je fasse gaffe maintenant, c'est niveau 12-13. Où va le monde? J'ai entendu parler de la brigade. Yo mon Encore gars. Un rôdi dans le campement. Prenez garde, qu'on n'aille pas vous prendre pour un espion. T'es censé être pote. J'ai croisé une Nilfgaardienne qui recherche son fils. Je la savais têtue, mais j'étais loin de me douter qu'elle recruterait un sorceleur. Eh ben c'est fait mon Disons gars. Disons que les larmes d'une mère m'ont ému. Vous m'avez rendu un service. Bâtard. Je me sens redevable. Hélas, j'ignore ce qui est arrivé à ce gamin. D'emblée, j'ai vu qu'il avait un problème. Il préférait la plume à l'épée. Toujours à griffonner des lettres. Il y a peu,
Son unité a été décimée par l'ennemi. Une embuscade dans le marais voisin. Pourquoi taire cette information à sa mère ? Sur ordre impérial, nous devons taire les défaites aux civils. Passer sous silence les unités disparues. En outre, ah bah super. Son corps n'a pas été retrouvé. Il a pu s'en sortir. Et du coup, dès qu'il y a un mec qui est mort, il est immédiatement fantôme, quoi. Il n'existe plus. Il n'y a pas de héros-soldat, quoi. Alors, ouais. C'est quand même cet endroit le plus proche. Donc on va prendre un bled directos, parce qu'il y a un peu de trajet à faire. Et en avant. C'est bien, Ablette. C'est vrai que les femmes... Ralentissons l'allure. Ah, parce que c'est un lieu habité, c'est ça ? Hé, hey, vous ! Halte là ! Ah non ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Vous êtes Gérald de Rive, c'est bien ça ? Vous étiez à Blanchefleur dernièrement, près de Vizima. Bah oui, c'est vrai. Oui, oh, dernièrement, c'est plutôt mignon. Ça fait un moment maintenant. Ils ont de très jolis cadavres. Sans vous, il y en aurait eu un de plus. Léna, grâce à votre potion, oh, elle a survécu. La meuf chez l'herboriste. C'est rare de voir un soldat d'une Nilfgaard s'intéresser au sort d'une Nordienne. C'est rare, devenu un légume par contre. Mais bon, elle vit. La nuit où le griffon l'a attaquée, elle venait me retrouver dans les bois près de la garnison. Je vois. L'amour ne connaît pas de frontières. Pas pour tout le monde. Si ses parents l'avaient vu avec un Nilfgaardien, ils lui auraient tondu la tête et coupé la langue avant de la chasser de la maison. Écoutez, Léna n'est pas encore bien remise. Je l'ai emmenée avec moi après avoir été mutée. Je pensais qu'elle allait se rétablir, mais elle ne parle plus. Elle ne reconnaît plus personne. Et elle dort toute la journée. Les élixirs de sorceleur, c'est pas pour tout le monde, hein. J'avais désolé, mon gars. Tomira. Les potions de sorceleur ont de puissants effets secondaires, le plus souvent permanents. On ne peut plus rien faire pour elle, c'est un mage qu'il vous faut. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous maudire de ne pas l'avoir laissé mourir dignement. Mon choix était bien plus difficile, croyez-moi. Oh, écarte-toi. Ouais. On l'a reprise avec les dialogues systémiques et un peu abrupts, hein, mais sinon, super cool d'avoir un petit dialogue qui s'est déclenché en rapport avec une quête secondaire qu'on a fait il y a un bon gros moment. Ah oh, cool, il y avait un marqueur qu'on n'avait pas ici. Vachement stylé. En plus, c'était pas un choix particulièrement reluisant ou simple, donc. Ah, c'est cool. Quai de la Goule. On va balancer la bonne huile. J'ai plus aucun trophée, alors, attendez. J'ai huile nécrophage ici. Pourquoi j'ai plus de trophée ? Regardez, bon, on sera allé, hop. On veut de l'XP, nous. Ah, il y en avait qu'un. Ils étaient des millions. Ces traces. On jurerait qu'il fuyait quelque chose. Dans quel sens ? J'arrive pas à identifier le sens des traces. En s'enfuyant, il s'est embourbé. Cible facile pour un arbalétrier. Il est brun, ce n'est pas lui que je cherche. Voilà, c'est la Bérésina. On jurerait qu'il fuyait quelque chose. Ah, il y a un mec là-bas. Je crois. Je crois qu'il y a un cadavre là. Non, c'est encore des traces. Bon. Allons par là. Ah non, il y a d'autres monstres par là. Ah.
Doris. Un requin. C'est sûrement lui. Je dois trouver autre chose pour en être certain. Genre une lettre. Une lettre adressée à sa mère. Le moins que je puisse faire, c'est la lui porter. Chère mère, ceci est peut-être ma dernière lettre. Par ma faute, le déshonneur et la honte pèsent sur notre famille. Au moment de vérité, mon courage m'a trahi et j'ai abandonné mes frères d'armes. Je ne mérite aucun pardon, mais je vous implore de prier pour moi. Longue vie, H. Il est venu se suicider ici parce qu'il avait... un orage. Fui le combat. Il manquait plus que ça. Eh ben mon gars. Alors l'équipement à... à réparer, moi. Non, c'est pas où. Maison du répit. Les deux sont éloignés quasiment du même nombre d'unités, j'ai l'impression. Je veux juste mon cheval du coup. Allez. En avant. Oh. Il était où? Il était en haut, je crois. Je vais y arriver. Mon fils, avez-vous appris quoi que ce soit? Oui. Je souhaite connaître la vérité, qu'elle soit douce ou douloureuse. Elle sera douloureuse. Il me faut savoir. Votre fils est mort. Comment est-ce arrivé? Il est mort au combat, il a déserté, s'est fait prendre. Ah, c'est ça qui s'est passé, ok. Il a déserté, a été arrêté. Et pendu. Mensonge. Je pensais qu'il s'était pendu lui-même, mais non. Je l'ai trouvé pendu avec les autres. La vie placardée sur l'arbre était très claire. Je ne vous crois pas. Mon fils n'avait rien de lâche. Croyez ce que bon vous semble. J'ai trouvé une lettre sur lui. Elle vous est adressée. Mère, il se peut que ce soit là ma dernière missive. Dans tous mes courriers, j'ai menti. Je n'ai rien d'un héros. Je ne prends nul plaisir à tuer de Nordiens. Cet endroit est un cauchemar. Je l'ai supporté jusqu'ici, mais c'est devenu intolérable. Il y a peu, on nous a ordonné d'exécuter. Ah, surtout, lis plus lentement encore. C'est terrible. C'est l'émotion, c'est l'émotion, bien sûr. Ça fait. De tuer des hommes sans défense. Il me faut fuir cet endroit. Mon petit, mon cher petit, vous l'avez retrouvé pour moi. Tenez, c'est pour vous. Alors combien? Parce qu'elle a dit l'argent, ce n'est pas un problème. 10 points d'XP, bon super. 50 balles. Allez. Allez, 50 balles. Bonjour. Salut, tu vends quoi? Tu vends des armes ou des armes? J'ai très... non, rien de tout ça, énorme. Prends donc ça, prends donc ça, prends donc ça, prends donc ça. Recycler. Ok. Bon vent. Bon vent. Bon, et ben voilà pour cette quête. Hein. C'était ouf. Petite ambiance, hein. Orc. J'ai du nerf prend au plein. Oh,
Oh, mutagène vert. Boum. Un mutagène vert. Où je peux aller là? Parce que là c'est plus 100. Lui c'est un vieux plus 50 dégueulasse. On va mettre lui à la place. Boum! Mutagène de spectre, j'en ai 11. Je peux pas les recycler? Ah la vache. Hein. C'est beaucoup. Mais pour le moment, j'ai pas l'impression. Okidok. Est-ce qu'on a le temps pour un autre épisode? Non. Je ne pense pas. Par contre, on a le temps de regarder ce qu'on fera ensuite. Après ça, on a... Ça, on a une quête qui est par où? Juste TP là-bas, tranquillement. Mince. Je vais pas au bon endroit, là. C'est où le panneau? Ah si, c'est... C'est par là. Doom. Et ce sera... Là... Ok. Ah, c'est une zone où on n'a pas été. Il y a ici un endroit où on peut se TP. Et ce sera ici à peu près. Allez, aurait-on. Comme ça, on sera bien positionné pour pouvoir enchaîner sur cette quête la prochaine fois. TF5. On ne peut pas pour le moment. TF5. On peut. Voilà. On pourra enchaîner là-dessus. Au niveau des quêtes secondaires, dans la Solus, il en reste encore. Alors, celle-là, on l'a déjà faite. Donc, il en reste encore une, deux. Trois quêtes secondaires en dehors de ce que les DLC nous ont offert, et parmi ce que les DLC nous ont offert, il en reste encore deux. Et parmi ces quêtes en dehors de celles du DLC, du coup, il y en a une qu'on a déjà. Non, il y en a deux qu'on a déjà. On a déjà les points sur les i à Velen, et on a un armurier peut en cacher un autre, mais un armurier peut en cacher un autre. On sait que c'est un niveau qui est trop élevé pour nous pour le moment, donc on la fera pas tout de suite. Donc petit à petit, mine de rien, on s'approche de la fin de ce qu'on peut faire à. Avec l'aide là-dessus, et on passera ensuite sur les points d'interrogation. Les points d'interrogation, et après on passera sur Novigrad, et puis au fur et à mesure qu'on montera de niveau, on reviendra faire quelques quêtes sur Velen. Sur Velen, pardon. Et il y a aussi les quêtes de Gwent, mais les quêtes de Gwent, je sais pas quand est-ce qu'on va les faire. Parce que c'est vrai que je joue pas des masses au Gwent pour le moment. Je pense que c'est plutôt des sessions Gwent qu'on fera à un moment donné, si jamais on en fait. Ok, bah j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve pour la suite dès que possible. D'ici là, portez-vous mieux, des bisous, bye.